Bonjour à tous, amis fans de Lego, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, je suis pas dans mon studio. Au moment où je tourne la vidéo, je suis en congé. Au moment où vous la regardez, je suis déjà rentré chez moi depuis certainement quelques heures. Alors je voulais vous faire un petit vlog aujourd'hui assez rapidement parce que j'avais besoin de vous poser une petite question. Et puis c'était pour vous tenir un petit peu aussi informé de ce qui allait arriver sur la chaîne. Alors déjà pour commencer, comme certains ont pu voir sur Instagram, j'ai encore craqué à peine la vidéo de mon haul Star Wars sorti que je rachète encore déjà des sets. Je suis vraiment vraiment faible. Donc je me suis pris le casque d'Iron Man que je vous avoue, je trouve pas spécialement beau, mais voilà, j'avais quand même envie de découvrir ça par moi-même. Et si vraiment je trouve ça trop dérangeant, je trouverai moyen à le modifier, à le rectifier. Et je ne manquerai pas de partager ça avec vous. Il y a également la Ducati que je voulais me prendre depuis un petit moment. C'est du Lego Technique, ça sort un petit peu de ce que je fais dernièrement. Mais bon, comme vous avez vu avec le 4x4 que mon père m'a acheté, que je vais d'ailleurs, j'espère bientôt vous présenter sur la chaîne, j'avais envie de reprendre un peu de technique parce que j'adore cette gamme-là aussi. Et la Ducati, elle est quand même belle, quoi, faut l'avouer, quoi. Coucou les vaches. Et puis également, au détour d'un petit King jouet, j'ai réussi à me retrouver un troisième pack de la 501e. Donc je pense que je vais m'arrêter là. 3, c'est très bien. Ça me fera une bonne base de mini-figurines pour pouvoir faire une petite armée et envisager de faire quelques petites mocs sur Star Wars. Pareil, je parle de ça. J'en ai toujours pas fait, je sais. Ça va arriver, je vais essayer de me concentrer beaucoup plus sur les créations que sur les revues. Et d'ailleurs, en parlant de revues, je vais venir à la question que je voulais vous poser. Voilà, les revues que je fais actuellement me demandent énormément de travail. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je crée un autre format de revue, plus court, où je passe peut-être moins de temps sur certains aspects, où je pensais notamment enlever peut-être les speed builds et les unboxings, et vous présenter le set, on va dire simplement, objectivement. Voilà, donc ça m'intéresse de savoir si ce genre de review, ce genre de format vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, faites-moi part de vos suggestions, et même profitez-en pour me dire ce que vous pensez des revues actuelles, si vous voyez des choses à améliorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des revues que je fais actuellement et donc de ce nouveau format que j'aimerais proposer qui serait plus court, plus rapide et donc plus facile pour moi à produire, et ce qui me permettrait en fait de vous faire des revues, on va dire, sur des sets assez petits, de vous les faire plus souvent et de réserver le format de revue complet, on va dire, aux gros sets qui nécessite vraiment qu'on s'y penche un peu plus. Je vous fais un petit peu profiter de la vue que l'on a depuis l'allée de la maison de famille. Donc là, vous avez un aperçu de l'Aveyron, vraiment une belle région. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose. Je voulais vraiment juste éclaircir ce point avec vous, voir si vous étiez intéressé par ce genre de revue. Donc normalement, après au retour des vacances, je devrais continuer à faire les petits tutos avec Sango Lego. Donc on va voir combien on en fait encore en fonction de ce qu'on trouve à faire, voir si on commence à plus trop trouver l'inspiration. Je pense qu'on arrêtera peut-être là. Et puis du coup, moi ça me permettra de switcher directement sur du petit mock Star Wars, du petit tuto Star Wars. C'est une chose que j'aimerais bien pouvoir attaquer dès mon retour de congé. Parce que c'est vrai que je me concentre pas mal sur Harry Potter. Je vais pas laisser le Harry Potter pour autant de côté. Je vais quand même, je pense que je vais essayer de travailler en fait sur les deux fronts, essayer de travailler sur des mocs et des créations des deux thèmes, puisque c'est vraiment deux thèmes que j'adore. Donc voilà, je pense vous avoir parlé de ce que je voulais, je pense avoir fait le tour de la question. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas donc à me laisser en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Je vais voir si c'est encore possible, mais je pense que YouTube avait désactivé la fonctionnalité de sondage dans les fiches. Si c'est le cas, je vais vous laisser ça dans l'onglet communauté. Oula, elles sont un petit peu agitées. Je vais vous mettre du coup un petit sondage pour savoir en fait qu'est-ce que vous aimeriez voir en revue prochainement là sur la chaîne. Je vais vous mettre des propositions sur des thèmes assez variés. Et puis vous me laissez vos avis, ce que vous aimeriez voir.
coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai pas trop filé la gerbe en filmant comme ça avec mon téléphone à la main. Je vous souhaite tous de bonnes fins de vacances. Pour ceux qui travaillent, je leur souhaite bon courage parce qu'il fait encore, un petit peu lourd, même si ça s'est un petit peu rafraîchi dernièrement. C'est pas toujours évident suivant les régions en France. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout ce que sera la prochaine vidéo. Je vais voir une revue, une création, un tuto. Je n'ai pas d'idée du tout. Là, c'est la dernière cartouche que j'ai dans mon chargeur. C'était ce vlog. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Et puis, portez-vous bien d'ici là. On se retrouve très vite pour une vidéo. Ciao.